cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. In 1880 to 1900, there was a professor of Savat by the name of Ducrot, who had a school here in this corner. He was also a wine barrel maker. The legend behind Ducrot was that he started with orphans in the street, and he produced a gang that was known as the Apache. He was a student of Michel Cassou. He was beaten by Hubert Le Boucher in a fight near the Seine River in 1875. The strength of this man was impeccable because he could lift a wine barrel over his head, and he was filled with liquid and move it. So imagine the strength of this man. Also, his techniques were that of Lutte Parisienne, of Pierre Savat. He's also in the same category as Hubert Le Boucher, Luz, Charles, and Hubert Lecour, Gosset, 11 of or students of Master Michel Cassou. And these were the ones that produced Savat. These were the legends behind this fighting force that we have. But right now, as you can see, it's just a regular store for fashion. But these are the streets of Professor Ducrot in the 1880s. Finalement, ça compte. Tu recommences tout à zéro, quoi. Tu vois, quand tu vas dans autre chose. Ça aussi, c'est... Tu vois, c'est... Je me suis un peu heurté à ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... T'as une identité... Moi, je fais commercial, tu vois, puis même artistiquement, j'ai... Je m'appelle Jean Houël. J'ai maintenant 66 ans. Et je suis retraité. Mais j'ai eu deux métiers, deux professions dans ma vie. Deux périodes de ma vie où j'ai été... pour gagner ma vie, hein, professionnellement. J'ai d'abord été professeur d'éducation physique. Bon, donc j'ai fait des études d'éducation physique. En France, c'est assez difficile, hein, pour être professeur d'éducation physique dans les lycées, dans les collèges, etc. Bon, et j'étais spécialisé. Quand on se spécialise pour être professeur d'éducation physique, spécialisé en football ou en athlétisme, moi j'étais spécialisé en sport de combat. J'étais d'abord judoka. J'étais professeur de judo. J'étais également, j'avais eu un ancien professeur quand j'étais petit à l'école, qui était un ancien boxeur, un ancien champion, grand champion de boxe anglaise. Bon, et je me souvenais de lui, il était entraîneur national. Bon. Et donc, quand j'étais professeur d'éducation physique, étudiant, j'ai aussi pratiqué la boxe anglaise. Anglaise, pas française. Bon, on avait un petit peu de boxe française, mais pas beaucoup, comme formation. J'ai passé mon diplôme de professeur d'éducation physique et comme j'étais spécialisé en sport de combat, en judo et en boxe anglaise, j'ai été nommé
professeur à l'université, à la faculté des sciences à Paris, à Jussieu, c'est un quartier de Paris, où j'ai enseigné aux étudiants. Et aux étudiants, j'enseignais au début le judo et la boxe anglaise. Mais j'avais envie d'élargir, si tu veux, ma connaissance des sports de combat. J'ai fait aussi de la lutte, un peu de lutte. J'étais un entraîneur de lutte, bon voilà, mais pas beaucoup. Et je me disais, la boxe française, c'est très intéressant, et notamment pour les étudiants, parce que les étudiants aiment bien la savate, la boxe française. Donc je me suis dit, je vais me former, parce que je n'avais pas encore eu le temps de me former en boxe, en savate. Bon, donc je suis allé dans un club de boxe française savate, près de chez moi, près de Paris, à Vincennes. Et mon premier professeur, ça a été quelqu'un qui était assez connu dans le milieu, qui s'appelait Jean-Pierre Tourtet. Et je rends hommage à sa mémoire parce qu'il est mort il y a quelques années déjà. Et c'était vraiment quelqu'un on l'aimait beaucoup. Bon, voilà. Et Jean-Pierre Tourtet, qui était l'entraîneur du club de Vincennes, ça a été mon premier professeur. Bon. Et en même temps que j'allais toutes les semaines à l'entraînement, j'étais débutant en boxe en savate. J'étais débutant en savate, mais je n'étais pas débutant en sport et en sport de combat. Donc je connaissais un peu l'affrontement de 2 à 2. Bon. Donc en même temps que je me formais, je disais il faut que je fasse des stages. Des stages l'été, tout ça, comme tu avais fait toi aussi des stages. Et j'ai fait des stages avec Bob Alix à Lyon. Bon, alors ça a été mes premiers stages. Après j'ai fait des stages à Vichy, j'ai fait des stages en même temps, je me formais. Bon. Et puis après j'ai passé aussi des diplômes de formateur en savate, parce que j'étais enseignant. Donc à l'université, une fois que j'ai eu mes diplômes de savate, moniteur, professeur, diplôme d'état, tout ça, bon, j'ai enseigné la savate aussi à l'université, aux étudiants. Bon, j'avais beaucoup de monde et même j'avais trop de monde, j'avais pas de place. Donc j'ai continué. Et ça, j'ai commencé la savate, pas le sport, mais la savate seulement en 1978. 78. Bon, j'ai passé mes 78. Bon, j'ai passé mes diplômes, tout ça. J'ai fait des compétitions en savate. J'avais fait déjà des compétitions en boxe anglaise, mais en savate, c'était pas pareil. Donc, j'ai fait des compétitions. J'ai passé des diplômes. Et puis, la fédération française à l'époque, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait quelques milliers, 3, 4 000, 5 000. En 1980, tu vois, il y avait quelques milliers de licenciés, c'est tout. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais c'était moins de 10 000. Bon. Et arrive un nouveau président à la fédération. Il y avait des problèmes à la fédération, tout le monde pas d'accord, etc. Bon. Et arrive un nouveau président qui est un médecin, un docteur en médecine, qui s'appelait Pierre Guéraud, tu te souviens peut-être. Et Pierre Guéraud, lui, a été un très bon président. Et il m'a dit, Jean, j'ai besoin de toi, il me faut un trésorier de la fédération. Bon, j'ai dit d'accord. Bon. Moi, j'étais trésorier de la fédération en 84, je crois, 1984. Bon, alors je faisais les comptes, tu vois, bon, les comptes de la fédération, bon, voilà. Et puis la fédération, avec Pierre Guéraud, ça allait. Pierre Guéraud a créé la Fédération internationale de savate, de boxe française, bon, dont le siège était à Paris, dans les mêmes locaux que la Fédération française, Fédération nationale et Fédération internationale. Il y avait deux petits bureaux. Bon, voilà. Bon. Mais c'était moi, j'étais juste trésorier, Pierre Guéraud, président de la Fédération française. Il crée la Fédération internationale. Et quelques temps après, peu de temps après, il y avait, je ne sais plus les noms des premiers présidents de la Fédération française, de la Fédération internationale, le nom m'échappe, c'est facile à retrouver, mais bon,
les premières années, il y a eu des présidents de la Fédération internationale, c'était des Français. Hein, des Français. Mais ce n'était pas Pierre Guéraud. Pierre Guéraud, Fédération française. Bon. Et moi, trésorier derrière. Voilà. Après 1989, 88, 89, gros problème à la Fédération. Ah, les présidents se font dégager. On vote contre eux, bon, et moi, en 91, Pierre Guéraud s'en va, parce que ça faisait 8 ans qu'il était là, bon, Bob Alix avait été, il n'était pas encore des directeurs techniques national, hein. Il y en avait un autre, bon, et ce n'était pas encore Bob Alix, bon. Le président, en 91, Fédération, l'Assemblée Générale, oh, va-t'en, t'es pas bien, bon, le président se fait virer, dégager. Alors, qui veut faire président? Personne. Personne veut faire président. Tout le monde est... Bon, alors moi, j'étais là, tout seul, trésorier, bon, je dis, bah, toi, tu pourrais peut-être... Bon, ouais, ok, d'accord, je prends. Donc, je suis rentré le matin au début de l'Assemblée Générale, le soir, je suis sorti président. Je me suis retrouvé président de la fédération. Et ça, c'est très lourd, parce que, bon, c'est responsabilité, hein, tous les professeurs, tous les clubs, etc. Et à l'époque, il y avait à peu près 30 000, 25, 30 000, même pas 30 000, 25 000, 30 000 licenciés à la fédération. Bon, je prends la fédération, et c'est là que Bob Alix devient directeur technique national. Et puis, moi, j'étais président. Bon. Et après, les choses continuent. Bon, Bob Alix était parti. Quand je suis arrivé président, Bob Alix venait juste de partir. Il avait été longtemps aussi DTN avec Pierre Guéraud. Et bon, Bob Alix voulait s'en aller. Donc, et bon, j'ai un autre jeune homme, pas longtemps après, jeune homme. Claude Valadier, DTN, et il y a un changement également à la Fédération internationale, c'est Michel Roger qui devient président français, qui devient président de la Fédération internationale. Alors moi, Fédération française, Michel Roger, Fédération internationale. Et moi, je veux que la savate s'améliore, s'étende et tout ça. Et je dis, c'est là que je repense, je dis, il faut que la savate, elle soit pas seulement du combat comme la boxe anglaise, parce que les gens ils pensaient à la boxe anglaise, c'était la concurrence avec la boxe anglaise, le spectacle, violent, c'est dur la boxe anglaise, hein, je connais, donc bon. Et je me dis, il faut faire une forme de confrontation non violente. Donc c'est là que je dis, il faut faire de l'assaut, du combat et de l'assaut. À la touche, l'assaut sans risque de blessure, parce que le chaos c'est une blessure, hein, grave. Bon, donc je dis, si on lance pour les jeunes, pour les enfants, et puis pour les jeunes et pour les adolescents, et même pour les adultes, de l'assaut, ça va plaire, parce que les gens ils ont pas envie de se cogner, sauf les champions. Ils n'ont pas envie de se frapper. Par contre, l'assaut, c'est bien. Parce que l'assaut, t'es face à face. Bon, voilà. Donc, j'ai lancé, avec Claude Valadier, j'ai lancé l'assaut. L'assaut. Et ça a été très important aussi, ça a été très important pour les femmes. Pour les femmes, parce que, si tu veux, l'assaut, c'est très intéressant, parce que c'est beaucoup moins violent que le combat. Mais après, il y a eu des femmes qui ont voulu faire du combat aussi. Mais d'accord, pour moi, j'étais pas contre que les femmes fassent du combat, mais en fait, beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes aussi, hein, beaucoup d'hommes aussi ne veulent faire que de l'assaut. Parce que bon, la touche, c'est bien, une touche, ok. Bon, c'est comme l'escrime. L'escrime, c'est pareil. L'escrime, tu touches, c'est tout, mais tu traverses pas l'estomac, le ventre. Tu touches, c'est du sport, mais
c'est difficile, mais tu ne risques pas de faire de blessures graves. Et c'est pour ça que j'ai lancé l'assaut qui a beaucoup pris de succès, et y compris au niveau international. Parce que international, au niveau international, la Fédération internationale, avec Michel Roger, on a continué le combat, bien sûr, le combat, mais on a dit aussi pourquoi pas faire des championnats internationaux, des championnats d'Europe et des championnats du monde en assaut. En assaut. Paf, ça a marché terrible. Bon, il y avait le combat, bon, voilà, c'est sérieux, violent, fort, mais l'assaut, c'est très important pour la formation. Voilà. Parce que moi, ma conception du sport, en général, tous les sports, pour moi, c'est de pratiquer. D'abord, pratiquer. C'est pas... Parce que le sport, c'est deux choses. Hein. Tu dis, quand tu dis sport, tu parles de deux choses. Tu parles de quelque chose qui pratique, que tu pratiques avec ton corps, et tu parles de quelque chose qui se regarde. Et tu peux être devant un écran de télévision, et tu dis, ah moi, le sport, j'aime beaucoup le sport. Tu aimes beaucoup le sport quand tu le regardes. Mais pour moi, le sport, c'est d'abord pratiquer le sport. C'est ça qui est éducatif. C'est ça qui forme un homme. C'est pas de regarder du sport. Regarder, c'est sympa, c'est sympa, c'est agréable, avec une bière, avec... Mais ce qui est formateur pour l'être humain, c'est la pratique corporelle, la pratique avec son corps. Et pour le face-à-face, homme contre homme, femme contre femme, deux, les sports duels, deux. L'escrime, la boxe, le judo, les luttes, toutes les formes de lutte. Ça, c'est très formateur parce que tu as un homme, un contre un. Et là, tu ne peux pas tricher, tu ne triches pas. Tu vois ? Donc, c'est ça ma conception de la savate. Et bon, j'ai donc dirigé la fédération pendant 12 ans. J'ai été élu et réélu trois fois. Et en 2003, il y avait de gros problèmes à la Fédération internationale. Il y avait de gros problèmes. Donc j'ai dit, c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai dit à des gens, des amis autour de moi, j'ai dit, moi, je vais voir si on peut changer la Fédération internationale parce que ça ne va pas. Bon. Mais si on changeait la Fédération internationale, ça veut dire que moi, je m'occupais de la Fédération internationale. Si je m'occupais de la Fédération internationale, je ne pouvais plus m'occuper de la Fédération française. Mais la Fédération française, c'est la mère de la savate. Donc, il fallait, si je prenais la Fédération internationale, il fallait que la Fédération française, elle soit toujours comme avant, le soutien, qu'elle pousse la Fédération internationale, qu'elle l'aide. Et bon, voilà, parce que la Fédération internationale, c'est rien, hein. Un petit bureau, c'est rien, il n'y a même plus de bureau maintenant, il n'y a plus rien. Bon, voilà, c'est en Grande-Bretagne, mais bon, voilà. Il n'y a plus de siège, il n'y a plus de. Enfin, il y a une adresse. Mais avec Michel Roger, on avait des bureaux, tu te souviens, à Paris, etc., etc. Une fois que j'ai été par. Bon, donc j'ai pris la Fédération internationale. Mais malheureusement, moi j'ai ressenti que. Mon successeur à la Fédération française, il ne me soutenait pas à la Fédération internationale. Alors j'ai dit, dans ces conditions, moi je veux bien me battre, mais tout seul, je ne peux pas. Donc si je n'ai pas la Fédération française qui est complètement avec moi, complètement et totalement pour me soutenir, je ne peux rien faire. Donc j'arrête. Voilà. Et en 2007, j'ai écrit à tous les dirigeants du comité directeur international et français, ou deux, j'ai dit j'arrête. Puisque je ne suis pas soutenu par la maison mère, par la fédération française, comme le judo avec le Japon, si tu veux. Le judo c'était le Japon. Si le Japon n'était pas derrière le judo, c'est comme le taekwondo avec la Corée, c'est la Corée qui était derrière le taekwondo. C'est pour ça que le taekwondo a été olympique, parce qu'il y avait le pays père du taekwondo, c'était la Corée. Donc si la Corée n'est pas derrière, et nous, si la France n'est pas derrière la Fédération internationale, ça ne sert à rien.
Donc, je suis parti. Voilà. Et une fois que je suis parti, j'ai dit, c'est terminé, je ne veux plus rien m'occuper au niveau responsabilité. Mais bon, la savate, elle continue. Donc, c'est bien. Elle continue, c'est bien. Elle a continué de se développer au niveau français. Je suis pas sûr qu'au niveau international, elle se soit bien développée. Je suis allé aux États-Unis quand j'étais président. Je me souviens. J'ai essayé aux États-Unis de former une fédération des États-Unis de savates. Tout le monde était d'accord. J'étais au Canada. Tout le monde était d'accord. Ouais, on va faire une fédération des États-Unis de savates. Et puis, oui, tout le monde a signé. Oui, d'accord. Et puis, c'est tombé. Malheureusement, c'est tombé. Et je crois, mais je ne suis plus les choses, hein, mais je crois qu'au niveau international, c'est pas terrible. Mais au niveau national, la Fédération française, elle continue parce que ça correspond à l'envie des gens de faire du sport, mais un sport pas trop violent, pas trop. Mais le combat, ça existe, ok, c'est bien. Les gens qui veulent faire du combat, ils font du combat. Chaos, mais les gens qui veulent juste. C'est très bien, c'est très éducatif. C'est très éducatif. Et les trois piliers de la boxe française, esthétique, éducatif, efficace, c'est les trois piliers, ça reste. Voilà, donc moi je crois que ce que j'ai fait, je ne regrette pas. Je crois que j'ai fait du. J'ai essayé de faire le mieux possible. Je crois que j'ai fait. Je pense que j'ai fait du bon travail. Ce qui est dommage, c'est que c'est ce qui avait été lancé par Pierre Guéraud dans les années 84-85, la Fédération internationale n'a pas été soutenu, quoi. Bon, c'est dommage. Mais bon, peut-être que ça repartira. Hein? Voilà, j'ai terminé.